Alors, où sont-ils ces petits foufous? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont donné un petit peu leur pseudo pour le devine mon Hello? Ah oui, je vais pas faire. Ah oui, ah non, je vais pas pouvoir faire tout le monde. Ah, il y en a encore. Alors, je suis désolé les gars, je vais prendre au pif. Genre, je vais faire poum, toi. Tu vois? Ça va être vraiment au gigapif. Aujourd'hui, épisode numéro 2, on va aller regarder du coup les gens qui sont allés sur le Discord et qui ont balancé leur pseudo dans Case My Hello. Et puis c'est ça, on en fera quelques-uns. Si je me trompe, vous avez un skin mystère. Pour avoir le skin mystère, il faut que je me trompe de division. C'est-à-dire que si je dis silver et que vous êtes bronze ou iron ou autre chose que silver, vous gagnez le skin mystère, ok? Let's go! Aujourd'hui, les giveaways de skins sont sponsorisés par PureVPN. PureVPN est un service de VPN rapide et sécurisé pour toutes vos connexions sur toutes vos plateformes principales. Un VPN, c'est pratique pour plein de choses, mais c'est surtout utile pour YouTube et Netflix, parce que habitant au Canada, je n'ai pas accès à tous les catalogues de différents pays. Mais ça peut aussi vous servir évidemment pour acheter par exemple des jeux moins chers sur d'autres pays avec différentes plateformes, acheter des billets, mais c'est surtout pour être protégé, et même en Wi-Fi public, et ça c'est vraiment stylé. Donc n'hésitez pas, il y a actuellement une offre insane de moins 81% à seulement 1,79€ par mois pendant 2 ans. Et il y a même une garantie de remboursement pendant 31 jours si ça ne vous plaît pas. Bref, vous pouvez cliquer dans les descriptions ou dans le commentaire sur le lien pour obtenir cette offre de PureVPN. Boum, round 4 solo. Alors, il est niveau 47. C'est probablement un smurf. Donc, ce sera très très dur de dire lui son elo. Mais on va regarder la game en général. Comment on va procéder? Je me remets ici. On va regarder les 3 premières minutes de la game et je vais devoir vous donner ce que j'en pense. Tout simplement, je vais essayer de deviner l'élo de la partie en 3-4 minutes. Donc là, j'avoue, gros indice. Mais attends, mais je suis un peu en gros, je suis en full, je suis trop gros là, non? Je me mets comme ça? Ah, j'avoue, comme ça, c'est pas mal. Ah, j'avoue, comme ça, c'est pas mal finalement. Ok, du coup, là, on n'a pas zoomé. Ok. Ok, l'équipe bleue. Fait check de la Léona, c'est bien, c'est Léona qui fait check, y a aucun problème, elle joue avec son truc. La ward ici, on aurait pu la prendre, ouais. Ok. Je vois rien de giga choquant, c'est... Ah si. Si, si, là c'est choquant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais aidez-le! Attends, j'ai rien compris. Là, le Jean Azagi vient de nous faire quoi là? Ok. Donc là déjà il va. Ah c'est chaud en vrai pour l'aider hein. Le W par... malheureusement ça fait rien. Le 7 qui met des patates. Mais il a plus son W. Il flash et il se fait tuer. Double kill pour le Rengar là. Oh, le Yasuo, il a giga int. Là, Attends, Harry top. Attends, pourquoi il commence le buff alors qu'il n'y a pas le Rengar? Ah, ok, là, on est quand même... Ah, le Rengar, il est en train de lui dire... T'aurais jamais dû faire ça. En fait, là, le gros problème de la Léona, elle vient de perdre une potion et ça va même pas la remettre à 100%. Attends, mais c'est un 7 ADC? Putain, je comprends que dalle. Je comprends que dalle. Après, j'avoue que les ADC en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu tu fais ce que tu veux quoi. On va se focus ici en vrai. On va se focus ici. Il a pris W au cas où qu'il se fasse burst. La Sona en profite que la Léona est un petit peu foirée au niveau de ses points de vie, donc c'est cool. La Léona, en fait. Ça fait peur quand elle a surtout 100% de ses points de vie. J'ai... Bon, là, on est... C'est pas plus que du silver. Là, on est... Ah, c'est pas plus que du silver. J'ai juste envie de voir la transi level 2. Ok. Ouais, vous êtes level 2, c'est le moment d'y aller. Hein. Oh, ils auraient pu tellement punir la Léona. Non, regarde. Il passe level 2. Léona, elle est là. Ok, lui, t'es pas encore level 2, j'avoue. Là il passe level 2, lui très bonne réaction, il monte son E, boum, il fait son U ici. Là la Léona en fait, la Sona, go là. TW, tu mets ton passif, je sais pas, tu continues. Là en fait la Sona, elle devrait continuer en fait.
C'est, bah, d'ailleurs, elle a continué, en fait, tout simplement. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule, en fait. Non, c'est bien ce qu'elle a fait. C'est bien. Sona a fait son travail de poke avec le retard de Leona, le level 1, la potion et tout. Donc là, ils ont fait un... Là, en fait, quand tu mets low les adversaires, bah, même si t'engages, tu te retournes et tu les tues plus vite qu'eux, en fait. Donc, c'est un petit peu compliqué. On va s'arrêter à... Là, on est à 3 minutes 20. Est-ce qu'on s'arrête à 4 minutes? On va s'arrêter à 4 minutes pour cette game. On va juste regarder ici. Ok, apparemment on savait ici le Kha'Zix qui va peut-être prendre le kill, la riposte qui est très bien exécutée. Oh, le Kha'Zix qui va. Petite insulte dans le chat là. Oh là 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 là. Oh, le, oh là là. Ah, je me sens mal pour lui là. Ah. Aïe aïe aïe. Ah. Ah, l'auto qui part. Ah, ça me fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, tu vois ça, c'est terrible. Parce que là, tu donnes double buff à une Fiora, alors qu'en plus, tes double buffs, je pense qu'ils étaient bientôt en train d'être partis. Ah, en plus, elle a une giga vague. Ah, va giga regène. Mmh. Ouh, je la sens très très bien, cette partie pour l'équipe rouge. Hein. Ouh, oui, oui. Ouh, l'équipe rouge qui va bien douiller. Ouf. Ok, du coup, stop. J'hésite entre bronze et iron. Le problème, c'est que iron, j'ai l'impression que personne est iron, en fait. Ah, je dirais bronze 4. Allez, un petit bronze 4. Allez, un petit bronze 4. Et tu fais comme ça. Faire 3. Ah, mais 2 wins. Ah, bah oui, mais non. Oui, non, mais attendez. Non, 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 s'il vous plaît. Il avait que 2 wins. Parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est un smurf. En fait, il a fait que 2 ranked. Non, mais ce n'est pas de la triche, les amis. On va aller voir le Kha'Zix. Je pense qu'il a fait beaucoup de games, en vrai. On va voir son vrai level. Bronze 1, 112 wins. Ok. Eh, hey, est-ce que c'est réglo ce que je viens de faire ou pas? Bronze 1. Par contre, j'étais à 2 doigts de me tromper, hein. On en prend un autre. Allez, c'est parti. Ok, je prends quelqu'un au pif. Toi, Tempo. Tempo qui est venu pour ça. Oh, parfait. J'ai cru que j'avais vu son cadre gold. J'ai cru que j'avais foiré, mais non, c'est bon. 194, Tempo. Parce que si on avait vu le cadre gold, je l'aurais pas pris du coup. Est-ce qu'il fait des ranked solo queue? Oui, boum. 5-6-4 avec Lucian. C'est parti. Ouh là là là. Ouh là. Oh non. Aïe. Le fameux Tariq. Maître Gold Funnel. Aïe. Quand vous voyez Maître Yi Tariq, tu dodges. Faites-moi confiance. Avec mon expérience de jeu, je n'ai jamais eu plaisir. J'ai déjà gagné contre un Maître Yi Tariq, mais je ne me suis jamais amusé. C'était cancer as fuck. Petit invade. L'invade est bien, hein. Il y a des... Ils sont assez bien possibles. Qu'est-ce que fait la Katarina? Ok, la ward est... Ah non, faut se barrer. Leur déplacement a l'air correct. Alors, les maîtres Yi, Tariq, tu les vois souvent en plate diam au gold. Mais avant, ça passe tellement vite, en fait, en elo, que tu les vois... Surtout en plate diam. Ah, il se fait un petit peu. Oh là 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 là, ce qu'elle a perdu. J'ai pas trop regardé le move là. C'est vénère, hein. Oh, aïe aïe. Alors, les maîtres Yi Tariq font tout le temps ça en passant. Ils font tout le temps ça. Faire extrêmement attention aux invades. C'est comme ça qu'ils gagnent et après ils plient ta game et c'est fini. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Maître Yi, en fait, et Tariq sont en duo Q. Le Tariq est soit mid, soit top. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, le Tariq, il va juste attendre. Il joue pas vraiment, le Tariq, sur la lane. Il va essayer de freeze. Donc là, le Teemo, bah, il a mal joué. Parce qu'il a push. Et il aurait dû faire du 50-50 et essayer de le zoner au moins. Et là, ce qui va se passer, c'est que le Maître Yi, bah, il va aller prendre, parfois, tout le farm de la top lane. Et le Tariq, avec son objet support, va pouvoir lui donner. Diana Jungle, je sais que c'est beaucoup joué en gold. C'est souvent joué en gold ou bas plate. Je trouve que ça marche pas, mais il y a des gens qui persistent à vouloir jouer à ça. Donc là, lui, il arrête son red buff. On va aller jusqu'à 4 minutes parce que je vois absolument rien. Ok, c'est quoi? C'est juste que je voulais vous montrer un petit peu le Yi Tariq, en fait. On ira un petit peu plus en late game après. On regarde juste. Ah ouais, la veine a. Ouais, la veine, ok, elle a hint un petit peu. La veine, je crois qu'elle a pas back. Alors qu'elle s'est pris Bagdad. Donc c'est juste giga dur. C'est quoi? J'avance un peu, je veux juste voir. Il ferme comme il peut, lui. Il s'en bat les couilles, hein, il s'en bat les couilles. Ah, il y a un mec qui a hint. Attendez, il y a juste un mec qui a hint, là.
Ça, c'est très important. Ah mais c'est notre joueur. C'est notre joueur, c'est Tempo. Je regarde juste ce qu'il a fait pour savoir si c'était unlucky ou pas. Et on va s'arrêter là-dessus. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Ah, c'est débile. Non. Il y a encore heal. Il y a encore exhaust. Il y a les doubles flash. Il a pas d'ignite. Il a juste un heal. Non, c'est sûr, c'est plus du diamant du coup. Quoique, j'ai vu des mecs en diamant faire ça. Hein. Non, là, c'est giga obvious là en vrai. Sur une Leona, il a focus une Leona avec son W. Non, non, non. Qui avait heal exhaust. Non, non. Même plat 4. J'ai limite envie de dire gold maintenant quoi. J'aimerais dire plate. Mais je me demande si c'est pas du gold. Vas-y, je triche. Je triche les gens. On va regarder juste pour vous dire à quel point Maître Yi et tout, c'est génial. La Katarina qui est faite comme d'habitude. Hein, quand il y a Katarina en face aussi, tu dois jouer la plupart du temps. 1. 2. 3. Quatre. Nice flash. Et le 5. Pentakill, magnifique. L'ultime de Leona était pas si dégueulasse. Non, je pense pas que ce soit... Je dirais plat 4. Après, ce flash-là est dégueulasse. Ça, le flash-là... Jamais tu dois flash, en fait. T'es 100% mort, en fait. Et même si tu vis... Déjà, il y a Yasuo derrière. Non, ça m'étonnerait que ce soit du plat, là. Comme des grosses erreurs, là. Non, c'est du gold. Ah, c'est du gold. Non, t'imagines, c'est diamant 4. Ça peut être même du silver, en vrai. Mais je vois très rarement des silver. Tareki, à moins que ce soit vraiment leur première game. Ça m'étonnerait qu'on ait aussi peu de chance. Mais non, ça doit être du low gold. Je dirais gold 4, là. Du coup... Gold 3, yes. Ouais, et la saison plate 4. Ok. Oui, on a vu des trucs. Du coup, go next. Boum, Sunfry, c'est parti. Hop, Sunfry 234 qui joue trash. Attends, il y a dans la même game, il y a Pyke, Echo et Seth. Oh là là, oh là, j'aime pas la game. Pyke, Echo, trash, Leon, Seth, mort. À moins d'être un genre de Jax. Ah, j'avoue, là, t'es un Jax. T'es un briseur là, c'est pas mal en fait. Ok, déjà, les deux équipes ont voulu faire une petite invade par le mid. J'ai l'impression que c'est souvent fait en. Plate diam. Il y a beaucoup de ping. Le Thresh qui veut quand même s'essayer. On prend les distances nécessaires pour la Leona. On check le buisson ici. Ah, il y a un bon setup. Hein. On va aller voir la transi level 2 de la botlane. Elle va être très importante. On va voir si Leona va déjà engager sur le Thresh ou pas. On va voir si le Thresh arrive à fly, donc à faire son E pour contrer le E de Leona. La Leona qui se fait contrer par le Thresh. Dès que tu engages quelqu'un en fait avec Leona, bah, Thresh fait soit le W. Et si tu engages Thresh avec Leona, bah, il va juste faire le fly et vice versa en plus. Donc à voir la transi level 2 qui va arriver dans 1 million pour l'équipe rouge. Est-ce qu'il se prépare? Ouais, le Thresh se prépare un petit peu. Va faire son petit hook. Après, non, ça joue bien. Oh, que oui, oulala. Oui, ouf, ça joue très bien. Ouh, j'aime beaucoup. On va aller voir le first blood là, top. Là, là on est peut-être sur 2 diamants, là. Transi level 2, level 2 aussi pour le mort de Kaiser. Le mort de Kaiser qui a fait un E assez stylé, donc déjà il maîtrise son personnage. Après elle a un W et je pense que ça va être la mort. Petit flash auto-attaque. Malheureusement le flash qui ne passe pas. Ouais. Ça pourrait être du bon plat ou du normal diamant. Après le mort de Kaiser qui a essayé de le trade alors qu'il était dans une mauvaise posture, il aurait dû faire le E inverse. Ça peut-être être du plat 2, plat 1 là. Ah là là, je sens que ça va être... C'est dans du haut plat là. Ouais, tu me diras, le dive est possible. Ouh, flash hook, c'est pas souvent la meilleure idée. Oh, ça passe. Oh, il a fait un E flash pour essayer de faire un petit peu de dégâts. Ah, c'est trop chaud. Oh, est-ce qu'il a réussi? Oh, mais 7, c'est insupportable, hein. Le W dans leur gueule. Oh, regardez le cooldown du E qui arrive maintenant. Oh
my god. Non, c'était trop beau, on se le remet, c'était trop beau. Attends, je veux revoir toute l'action. Mais ça va dans un best-of, ce truc. Il utilise le buisson pour perdre un petit peu la vision. Non, c'est pas du plâtre. Hein. Là, on est sur du diamant. Hein. Ah là 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 là. Et là, boum, il y a son E, là. Oh, pff. Là, le mental, mon gars. Ouf. Je suis soit mort de Kaiser, soit Kha'Zix. Ah, je crois que j'AFK la game. Hein. Oh, oh là. La merde, la situation, c'est de la merde. Oh, on va dire des trois. Ça m'étonnerait que ce soit du Master, quand même. Que plate, hein. Ouais. Ah non, mais si. J'avais un peu dit au début, plate 1. Ah, il était diamant 3 la dernière saison. Il est bientôt diamant 4, en vrai. Je savais que ça allait être chiant. Donc c'était une bonne game de plate 1, je pense. Albatar, Sunfry, GG à toi. Je vais t'ajouter tout de suite un ami. Sunfry, GG. Bref, peace. Merci encore pour vos petites games. C'était vraiment super intéressant. Encore une fois, ciao.